WhatsApp, j'espère que vous êtes tous magnifiquement bien. Je suis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. Un petit unboxing de skill bag. Je veux savoir si les skill bags c'est vraiment rentable en fait. Donc, ça va être le titre de ma vidéo, mais c'est pas tout, les amis, parce que si vous écoutez après l'unboxing, il y a une petite surprise pour vous aussi, les amis. Vous allez être méga contents. Donc, juste avant que la vidéo commence, les amis, je voulais vous dire que le 25 juillet, j'ai fait un concours sur mon compte Twitter pour vous faire gagner 25 points boutique sur SkillPVP. Donc, c'est 5 points boutique, en fait. J'arrivais plus à compter, en fait. Donc, 5 fois 5. Donc, en gros, il y a 5 gagnants de 5 points boutique. C'est 5 euros quand même sur la boutique. Vous pouvez vous prendre des kits, des grades, des trucs comme ça à ce prix-là. Donc, c'est plutôt intéressant. Et de plus, voilà, c'est parfait pour le début de la saison en fait, vu que la saison va reset. Donc aujourd'hui, je vais ouvrir 10 Legendary Bags et je vous en ai gardé 9 pour vous. Vous allez voir comment faire pour participer tout de suite après. Donc on va commencer les amis avec 10 Legendary Bags. C'est parti, le premier on a... Oh, on a un ticket de 3 points! On a un ticket de 3 points. D'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite en fait. Il y a des tickets comme ça, des bonus de points de faction. Donc en ce moment, on pourrait, on va utiliser celui qui est à 2. Donc c'est en gros, on clique droit dessus et ça nous booste les points de 6 à 30. Et celui-là, c'est de 30 à 150. Donc let's go, lui, on a eu 14 points. Et celui à 3, on a eu 136 points! God damn, boys! Nice, nice, nice. Et on a eu aussi 24 blocs d'expérience et 8 graines de cannabis. Donc pour l'instant, c'est rentable. Oh, un plastron P3, un livre enchanté et un plastron P4. Donc pour le coup, c'était pas mauvais. Et c'est quoi comme livre? La récolte de carottes. Donc c'est parfait parce que j'ai la récolte de blé et de carottes. Donc on va les mettre dessus et ça va nous faire presque tout quoi sauf les cacao bins. Donc on continue, c'est super bon jusqu'à maintenant. On est rentable, j'ai l'impression. On ouvre ensuite le 1 Easy Stick, 3 pépites de mété et 2 Space Stick. Oh mon dieu, ça c'est vraiment bon aussi. Ici, on a quoi? 8 pépites. Oh, 2 stacks de banane sheet et 8 pépites de sélénium. Pour le coup, c'est vraiment pas bon, ça. Ensuite, ici, on a quoi? On a un autre livre enchanté, 10 œufs de creeper. Donc, livre enchanté, on a eu quoi? Récolte de carottes, encore une fois, et 10 creepers. Donc, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Jusqu'à maintenant, on est bien, les amis. 64 bottes. Oh, des farm leggings, 14 pépites et des bouteilles d'XP. C'est pas mauvais non plus, les amis, c'est pas mauvais. Encore, let's go. Un livre enchanté. Une sélénium et 52 blocs d'XP. On n'est pas si chanceux que ça, les amis. Jusqu'à ce moment, je dirais qu'on est en train de perdre en ce moment. Donc, on a 32 graines de cannabis, une T3. Ouh, 32 graines de mort. Si les graines de mort nous donnent quelque chose de bon, ça pourrait vraiment être intéressant. Ensuite, on a 2 orbes de repair, 4 pump cheats et 2 pièces à spawner. Encore une fois, correct. Et le dernier Legendary Bag, les amis, c'est parti. Un arc en mété, des pépites de mété et 12 tickets de marchand. What the fuck? 12 tickets, mec? What the fuck? C'est énorme, ça, pour le coup. Bon, ben. C'est parfait les amis, on a eu quand même pas mal de stuff. Faut pas oublier aussi qu'on a eu le livre de récolte de carottes. Est-ce que je suis surpris? Oui et non, parce que c'est pas vraiment rentable pour ce qu'on a dépensé. Mais c'est pas grave parce que vous avez pas dépensé, c'est moi qui ai dépensé les amis. Et de plus, vous devez savoir qu'il y a un petit concours que je vais vous faire. Donc il y a 9 personnes dans les commentaires en ce moment. Il y a 9 personnes que je vais choisir et que je vais leur donner un Legendary Bag. Donc c'est très simple. Comment faire pour participer? Vous allez devoir me raconter votre meilleur moment sur n'importe quelle version de Skill PVP. Donc par exemple, moi c'est arrivé à la version 5 je crois. Je m'étais fait masse de P4U3 à cause d'un d'un gars qui livrait le serveur. Je crois que c'était oh mon dieu, j'ai oublié son nom. Il fait plus de vidéos YouTube, mais en gros c'est un YouTuber. Il m'avait donné genre une rangée de lignes de P4 et tout, et j'étais hyper content les amis. C'était le meilleur jour de ma vie. Donc depuis je suis plutôt content. Donc là oui, il me reste juste le carotte à mettre. Il me manque un peu d'XP, je vais me mettre ici pour récupérer l'XP. Et on va avoir quasiment une farm tool presque. J'ai aussi une information sur la farm tool les amis. J'ai eu une information comme quoi qu'on peut l'enchanter fortune. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc si on est capable de mettre fortune dessus, ça peut être plutôt intéressant. Donc là, elle a pas la récolte de carottes. Alors, on va lui rajouter la récolte de carottes. Et il va nous rester à avoir le cacao bean. Pour l'instant, on a encore des récoltes de pommes de terre et carottes. Ceci, on va pouvoir les vendre. Les reins de mort, on va pouvoir les ouvrir. Les space sticks, on va pouvoir les vendre. Bref, plein de stuff qu'on va pouvoir utiliser, vendre et se mettre bien avec. Pour l'instant, on va aller ouvrir les reins de mort vu que c'est ce qui m'intéresse le plus en fait. Donc voilà, on va mettre ça là et ces deux livres là. Donc on va aller ouvrir les reines de mort parce que c'est le meilleur truc en fait qu'on a en ce moment sur nous. D'ailleurs, j'ai vendu mes pièces space pour des points boutiques. Donc en ce moment, j'ai pas mal de points boutiques. Je crois que j'ai genre 10 points boutiques qui m'appartiennent à moi. En plus des 25 pour vous les amis, bien entendu, vous le savez. Donc on va aller à la base de la... Oh, là. On va aller ici. On va aller à notre sky, on va prendre notre pharmax et on va essayer... Oh merde, ça c'est notre char.
Je vais quand même récupérer les trucs. On va aller plutôt à Netsky. On va faire un petit F show. Non, il y a juste des, il y a juste X-Ray et tout. Donc, on va faire vite fait l'opening de Rendamore en espérant, les amis, vraiment qu'on ait quelque chose de bien. Genre, un petit space, ça serait cool. Un petit space, une petite mété. C'est parti, let's go. N'importe quoi, les amis, je suis content. Un space, une mété. Et ça serait vraiment énorme. En soi, les Legendary Bags, personnellement, je trouve que c'est rentable parce qu'on peut avoir des bonnes choses comme on peut avoir de la merde. C'est vraiment un coup de chance, quoi. Parce que, comme vous avez vu, c'est comme les Rendamore. C'est un coup de chance ou un coup de malchance. Et là, nous, on a été malchanceux dans les Rendamore et ainsi dans les Skill Bags. On a quand même eu 2 pupitres de mété, les amis, qui est pas rien. Ça nous fait 5 pupitres. Mais vraiment, on n'est pas chanceux. J'ai vu des gens qui ont unbox dans les skills de. Dans les Legendary Bags, pardon, excusez-moi. Ils ont unbox des plastron renforcé en space, des trucs de malade, des bottes space, des pantalons space, des trucs comme ça. Pour ma part, j'ai pas été chanceux encore en ce moment. Peut-être que vous allez être chanceux vu que chacun d'entre vous... en fait, c'est quoi? On va faire 3 gagnants de 3. Donc vous allez avoir 3 gagnants qui vont gagner 3 skills Legendary Bag. Comme ça, vous allez pouvoir tester vraiment votre chance. Donc 3 gagnants de 3 Legendary Bag. Donc il y aura seulement 3 gagnants, mais beaucoup plus de stuff à gagner. On va faire ça comme ça. Et comment participer? C'est très simple. Vous me laissez un commentaire avec votre meilleur moment sur Skill PP de n'importe quelle version. Vous me le décrivez et je vais regarder tous vos commentaires. Je vous laisse sur une autre séquence, les amis, parce que je vais pas vous laisser juste là-dessus. Peut-être un petit pillage, un petit quelque chose. Je sais pas. Je vous retrouve tout de suite après. Mesdames et messieurs du jury, nous avons réussi, nous avons gagné cette saison de Skill PVP et nous avons remporté la somme de 30€ point boutique. C'était une saison mémorable, mes chers amis de l'internet. C'était une saison qui m'a coûté très cher en creeper, nous allons pas se mentir. Et aussi, grâce à tous vos dons que vous nous avez fait de base, de space, de creeper et tous des enfants d'Afrique que vous avez sauvés en nous envoyant un creeper sur mon live. C'est vraiment gentil à tous, les amis. Grâce à vous, nous avons réussi à gagner la saison de Skill PVP. Et nous sommes champions de Skill PVP. La France est champion du monde. Nous autres, on est champions de Skill PVP. Qu'est-ce qu'on peut demander mieux, les amis? Fait que, dans le fond, je vais juste faire une petite intro, une petite séquence avant, à la fin de ma vidéo concours. Et à la suite de cette séquence-ci, il y aura un don que quelqu'un m'a fait. Mais c'est une petite séquence de rien, inquiétez-vous pas. Donc, je vais faire des remerciements. Donc, c'était un classement vraiment chaud. Félicitations au deuxième qui était la prime. À la dernière minute, exactement 30 minutes avant la fin du classement, ils ont pillé le cœur de la mystique et ils ont réussi à nous dépasser. Il nous manquait environ 300 points pour repasser premier. Un peu plus peut-être, je sais plus exactement. Je n'étais pas connecté personnellement, c'est ce qu'on m'a raconté. Et il y a un joueur de la résistance, donc FF Casu Bat. C'était exactement ce joueur-là. Il nous a TP au PNJ de la Warzone à Marc et Nezo. Nezo, Redskin et Onyx Freeze ont donné toutes leurs P4 Tita. Donc ils ont plus de P4 Tita pour qu'on puisse réussir à gagner la version. Donc c'est plutôt intéressant. Vu que Nezo et puis quelques autres membres n'ont pas vraiment fermé les points boutiques, comment qu'on s'est arrangé pour les points boutiques, je vais vous dire franchement dès maintenant. En fait, les points boutiques, on a fait 5 points boutiques à Onyx que vous voyez dans le tab. Donc je vais faire ça. Onyx, j'ai eu 5 points boutiques. X-Ray a eu 5 points boutiques. Itwix a eu 5 points boutiques, Volkin il ne voulait pas les points boutiques, donc j'y en ai pas donné. Et on a donné aussi 5 points boutiques à Red Kids, vu que Red Kids nous a énormément aidé. Donc pour l'instant on a séparé comme ça, il nous reste encore 5 points boutiques à distribuer. Donc peut-être qu'on va donner 2 points boutiques ou 3 points boutiques dépendamment à d'autres joueurs de la fac pour l'instant. Moi je me garde bien sûr 5 points boutiques parce que j'ai été un bon garçon. Je sais pas ce que je vais faire avec mes 5 points boutiques, je vais peut-être ouvrir un Legendary Bag ou simplement acheter des Space, je sais pas du tout. Parce que j'ai vendu dans tout ça, j'ai quand même vendu mon full space en fait, ce qui est quand même dommage, mais j'ai vendu mon full space parce que on avait besoin d'argent pour acheter des creepers, donc j'ai vendu mes pièces space. Ça m'avait foutu un peu le seum quand même, parce qu'un full space c'est quand même pas rien, donc ça m'avait vraiment fait de la peine quand même de vendre mon full space, mais bon, on a quand même réussi les amis, on a encore un peu d'argent. Pour cette saison 2, c'est un peu plus difficile parce que, en fait, vous voyez, là, c'est du 26 juillet au 13 septembre, donc la saison est beaucoup plus longue, elle n'est pas 26 jours, elle est beaucoup plus. Les récompenses sont beaucoup plus élevées, donc 50 PB, 35 et 15. Et en fait, ils ont fait une erreur, ils ont oublié de supprimer les points dans les cœurs. Donc les gens ont récupéré les points dans les cœurs directement. Je trouve que c'est dommage, donc c'est pour ça que je vais pas jouer cette saison-ci, je vais pas tryhard autant. Je vais peut-être tu sais, faire des pillages, des trucs comme ça pour continuer à vous proposer des vidéos, mais ça sera pas quelque chose...
d'exceptionnel, du sens que je veux pas vous proposer juste des pillages comme j'ai fait sur cette saison-ci, parce que cette saison-ci c'était vraiment full pillage de cœur, parce qu'on voulait travailler le masque de cœur. En plus, ma prochaine vidéo, ça va être une vidéo, faut juste que j'attende que les admins le patch, mais il y a un bug pour pas que votre cœur soit impillable, donc je vais faire une vidéo là-dessus, je vais vous montrer comment, puis ensuite je vais devoir le signaler aux admins, quoi, et puis qu'ils le retirent, parce que c'est vraiment, ils veulent pas des cœurs impillables, et puis je comprends, tout devrait être pillable. Donc voilà les amis, je vous aime. Merci encore à Caisse du Bat et la Résistance. Merci à Onyx Freeze, Nezo ainsi que Red Kid qui étaient connectés dans les dernières secondes pour pouvoir nous faire gagner. Et puis bien sûr, merci à chacun d'entre vous, les amis, qui nous ont aidés en donnant des creepers, donnant des bases, des trucs comme ça. Vous nous avez vraiment aidés, puis j'apprécie énormément. Donc un gros merci à vous, les gars. Et puis on se retrouve pour la saison 2 et de nouvelles vidéos dès demain. Je vous laisse sur un petit don et puis à plus. The fuck, les amis, il y a un abonné qui vient de me donner un pantalon fucking space, les gars. P3 U2, il l'a eu dans un skill bag. Il m'a dit, je lui ai demandé, tu sais, j'ai dit comment tu l'as eu. Il m'a dit dans un skill. Il m'a TP ici. Voilà, Askip, il m'a TP ici. Askip, c'est lui. Non, c'est lui, mais je sais pas pourquoi je dis Askip. Non, mais Askip, ok, il l'a eu dans un skill bag. Ok, je sais pas si c'est vrai, les amis, mais il l'a eu dans un skill bag. Donc, c'est plutôt intéressant. Un gros merci à toi, Bilou. Ça fait plaisir. Je t'embrasse et puis je te remercie infiniment, mon ami.